fidèle téléspectateur amoureux de ce magazine d'environnement, comme vous le savez, on est sous ce soleil accablant pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler sur le recyclage. Vous savez, il y a quelques jours passés déjà, on a célébré la journée mondiale du recyclage. C'est comme ça qu'au cœur de la planète, votre magazine d'environnement ne s'est pas tué. Alors, nous sommes allés chercher quelqu'un qui s'occupe du recyclage ici chez nous, dans la ville de Lubumbashi. Ils sont nombreux. Quand même, nous sommes tombés sur un d'eux. Alors, c'est sous ce soleil que nous l'avons trouvé en train de travailler. Il s'appelle Monsieur Albert Mouteba. C'est avec lui que nous allons devoir parler du recyclage. Monsieur Albert, bonjour. Bonjour, Monsieur Cédric. Comment vous allez? Oui, très en forme, très dans ma peau. Ouais. Et ça va toujours bien chez moi. C'était une surprise, nous vous avons trouvé ici en train de travailler. Ah oui, comme d'habitude, on n'a pas de jours fériés, on n'a pas de week-end. Donc okay. On est là tout le temps pour servir. Et surtout en matière des déchets, on sert tout le monde et voilà. En fait, chers téléspectateurs, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, l'environnement, ce n'est pas question de ceux qui ont fait les études environnementales à l'université. Ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, mais c'est l'affaire de tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler avec M. Mouteba, lui qui est à Haïti, il est informaticien, mais aujourd'hui, nous l'avons trouvé dans une autre casquette d'environnementaliste. Il est en train, bien sûr, d'aider le gouvernement, de nous aider tous, parce que quand il rend sain l'environnement, il est en train de sauver plusieurs vies. Monsieur Mouteba, comme Monsieur Albert Mouteba, comment est-ce que vous avez d'abord commencé par avoir l'idée de s'occuper beaucoup plus de l'environnement, vous qui n'avez pas fait ces études-là? Ok, je précise encore que j'ai un background d'Haïti. En fait, ce qui m'a poussé ou ce qui a attiré la curiosité dans l'environnement, c'était par le fait que parfois j'ai passé dans les rues, surtout dans le coin des avenues, je voyais une panoplie de déchets. Alors je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux apporter pour ces déchets? Et comme je voyais déjà qu'il y avait quelques sociétés sur place qui existaient d'ailleurs, je me suis dit, bon, je vais me lancer. À l'époque, c'était pas facile parce qu'il y avait zéro matériel, il y avait un peu d'argent de poche et un laptop. On se dit, ben, on va oser. Alors, déjà tout petit, j'avais du mal dans le temps à jeter tout ce que je mangeais, tout ce qui restait comme déchets. J'avais du mal à jeter dans la rue. Et tout en ayant ces souvenirs-là, et une fois, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'environnement. En fait, nous sommes en train de voir, nous sommes dans votre parcelle, toute une parcelle que vous avez conçue pour la récolte des déchets. Elle est petite d'ailleurs. Ah, ok. Nous, ça nous étonne. Ouais. Chers téléspectateurs, nous sommes ici à une petite maison, mais une grande place pour les déchets. Qu'est-ce que vous faites avec ces déchets? Alors, une très bonne question. Qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets? Après avoir récolté au sein des ménages, au sein de différentes sociétés de la place, qu'est-ce qu'on fait? La charge, on la dépose ici, on décharge la charge de déchets ici et après on passe à l'action de tri. Alors lorsqu'on trie les déchets, les plastiques on met à part, les papiers et les cartons de leur côté, les ferrailles de l'autre côté, tout ce qu'il y a comme déchets verts, herbes, et on les met de côté. Et enfin, tous ces déchets-là retournent dans leur cycle de réutilisation ou de réemploi. Donc c'est un peu ça le processus et on espère avoir une place un peu plus grande que celle-ci pour faire encore mieux. Parce que cette place est réservée à quelques clients que nous avons. Sinon on ne saura pas servir toute la ville avec cette petite place. Alors, comment vous faites pour récolter tous ces déchets? Est-ce que vous avez ouvert à tout le monde? Vous avez ouvert la barrière que tout celui qui a des déchets à la maison, qu'il vienne le laisser ici? Ou bien vous avez un véhicule, vous allez en ville, vous récoltez tous ces déchets? Actuellement, nous avons un camion de 10 mètres cubes qui circule auprès de nos clients. On va chez tout le monde. On a des prospects différents. Qui est-ce que vous appelez client? On n'arrive pas à comprendre. Les clients, ce sont ceux qui ont les déchets ou comment? Non, les clients, ça veut dire ceux qui se sont abonnés à notre société. Ok. On fait du porte-à-porte pour avoir différentes personnes. Mais il y a des prospects, parfois en une semaine
ou dès la prise de contact, ils sont intéressés par nos services et ils s'abonnent. Et en s'abonnant, on évacue les déchets au sein de leur environnement selon la demande du client et on s'entend sur un module de paiement. Et tous ces déchets qui sont là, ce sont les déchets que vous voyez ici et il y a une partie déjà triée et les cycles continuent. Ok, en fait, comme je vois, vous avez déjà fait le tri, mais il y a encore ces déchets qui restent après le tri. Alors, le reste là, qu'est-ce que vous allez en faire? Donc, ce n'est pas encore fini. Comme vous voyez tout ce qu'il y a là, il y a encore des produits réutilisables. Il y a encore des cartons, si vous voyez très bien. Il y a encore tout ce que vous avez comme feuilles mortes et tout le reste. Donc, c'est encore des produits. Après avoir fait le tri, chaque déchet ira où il faut aller. En fait, parlons maintenant de votre santé personnelle. Parce que vous êtes en train de vivre partout où il y a des déchets. Ouais. Vous avez votre bureau ici et quand vous sortez du bureau, la première chose que vous voyez, c'est les immondices. Ouais, comment est-ce que vous arrivez d'abord à lutter contre ces genres de maladies qui peuvent bien sûr exister ici? Bon, la maladie, elle est partout. La maladie, elle est partout. Mm-hmm. Comme on le voit actuellement, même avec le Covid. Mm-hmm. Donc, personne n'est à l'abri de la maladie. Mm-hmm. Alors, pour résister à tout ça, ce que moi j'ai fait, c'est j'y mets de la passion. Mm-hmm. Alors, quand il y a de la passion, on enlève tout ce qu'il y a comme danger. Mm-hmm. Il suffit d'y mettre de la passion et tout ce qu'il y a. Et on ne se rend même pas compte que ça, parfois, ça peut dégager une mauvaise odeur. Parce qu'on a vraiment envie de travailler et qu'on est prêt à tout. En fait, tellement que le projet est grand, comme vous l'avez dit, est-ce que par rapport à vos clients, est-ce que à un certain moment, c'est pas évident qu'ils auront les déchets chaque jour. Est-ce que vous allez un jour ouvrir la porte à toute la population? Bien sûr, vous avez une grande parcelle, vous dites, c'est lui qui a les déchets qui vient nous aider chez nous. C'est notre souci. D'ailleurs, c'est une partie. C'est une partie de notre business plan. Donc, c'est aussi une de nos priorités. Okay. Pourquoi? Parce que les déchets, il y en a partout, il y en aura partout. Et pour nous, c'est une matière première. Donc, ça veut dire à la longue, les jours qui viennent, si nous avons un plus grand espace, parce qu'actuellement, nous avons au moins besoin de 10 hectares. Mais nous avons voulu commencer comme ça pour avoir de l'expérience. On commence toujours quelque part pour monter et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors, lorsque nous allons avoir un grand espace, donc ça veut dire pour des sociétés qui ne veulent pas s'abonner à notre société, ils sont libres, ils peuvent venir défalquer leurs déchets à notre déchetterie. En fait, nous voulons savoir un peu votre ambition. Est-ce que c'est une ambition lucrative ou soit vous êtes amoureux de l'environnement, vous voulez qu'il y ait zéro saleté à travers la ville de Lubumbashi? Si c'était une ambition lucrative, j'aurais déjà fermé la porte à toutes les difficultés et m'en aller vivre ma ville dans une île, peu importe. Parce que les possibilités sont là d'aller vivre ailleurs. Mais c'est une question des passions d'abord. Et en même temps, d'apporter quelque chose pour ma ville, pour cette nation. Parce que l'enjeu entrepreneurial, c'est toute une vie pour moi. C'est ce que j'ai choisi. Et avec ça, je peux apporter quelque chose pour mon pays. Aujourd'hui, la gestion des déchets dans la ville de Lubumbashi, on ne peut pas se voiler la face. Ça devient plutôt... vraiment un casse-tête pour la mairie. Nous sommes en train de voir à Lubumbashi, la mairie qui est une grande institution. Vraiment un casse-tête. Ouais, c'est un casse-tête, un sérieux même à travers toute la ville de Lubumbashi. Est-ce que vous allez y arriver? Je suis très optimiste dans ce que j'ai fait. Même s'il y a parfois, disons actuellement, il y a beaucoup de concurrents et on ne va pas concurrencer l'institution publique qui est là, la mairie. Ouais. On veut juste travailler ensemble avec certains partenaires publics, parmi lesquels j'ai cité la mairie. Alors, ça serait convenable pour nous qu'ils se disent qu'il y a des sociétés qui font le même travail,
que la mairie peut faire, mais la mairie est en manque de matériel. C'est tout à fait normal. Par exemple, ailleurs, il y a des sociétés privées qui aident le gouvernement à faire ce travail. Parce que la ville, elle est grande, il faut énormément d'argent, énormément d'équipements. Si la mairie n'a pas tous ses équipements, il peut faire appel aux institutions, aux entreprises privées que nous sommes. Et ensemble, nous pouvons monter des stratégies pour rendre notre ville propre. C'est vrai que le chaos se voit, se remarque et se dit dès partout, réseaux sociaux, informations, télévision, radio, partout, ça se dit. Mais il faudrait qu'ils prennent conscience qu'il y a une solution qu'on peut apporter avec les entreprises privées environnementales. En fait, HK6 Radio-Télévision est là pour accompagner la population. Merci, raison, ça se sent. Raison pour laquelle nous avons entendu parler de vous. Oui. Nous sommes descendus jusque chez vous pour vous voir. C'est vraiment distant de la station de HK6. Nous sommes dit nous allons venir jusqu'ici. Est-ce que nous sommes ici d'abord parce que ce que vous faites, c'est intéressant. Est-ce qu'à votre niveau, vous êtes reconnu par la mairie? Est-ce que vous êtes aidé par le gouvernement ou bien vous avez des difficultés pour entrer en contact avec le gouvernement ou bien vous voulez travailler en état indépendant? Oui, une très bonne question. Mm-hmm. Premièrement, c'est tout ce que je vois, c'est là où je vais. Là où je vais, bon, partout, dans toutes choses, il y a toujours des petites difficultés ou de mauvaises présentations ou... Ce que j'ai remarqué, c'est que nos autorités locales n'ont pas vraiment une grande confiance en la jeunesse. Je m'explique dans le sens où les jeunes peuvent frapper dans toutes les portes, dans les portes qu'il faut, pour avoir un appui. Il n'est pas seulement financier. Il n'est pas seulement financier, il peut être... Même moral. Des manières morales ou contractuelles. Vous savez, ce qui donne plus de conviction ou des forces, c'est lorsque on s'attend à ce que l'on veut. Dans mon cas, j'ai voulu juste un contrat de partenariat public-privé où on me donne une autorisation pour dire, ben voilà, vous êtes habilité à faire ce travail, vous pouvez bien le faire. J'ai fait ça plusieurs fois auprès de la mairie. Bon, ça n'a pas marché. L'institution a ses raisons. Je ne les en veux pas. Mais je sais que je travaille légalement avec tous les documents qu'il faut. Même auprès de... J'ai un procès verbal auprès du ministère de l'Environnement. Mais la grande difficulté, c'est... le partenariat public-privé. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui ne les motive pas à leur donner, on ne sait pas. Mais étant enthousiasmé, il y a des entreprises sur place qui nous font confiance. Lorsqu'on se met avec ces personnes-là, ces directeurs de certaines entreprises, ils ont confiance en nous. Et avec leur rapport en termes de contrat, cela nous aide à faire un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus pour atteindre nos objectifs. Ok, c'est depuis quand que vous avez commencé ce travail? J'ai commencé depuis février 2017. Ouais. J'ai commencé 4 ans déjà. 4 ans déjà. Petit à petit, comme j'étais sous l'ancien régime RCCM, avant la création du guichet unique, de création d'entreprise, j'ai basculé, j'ai refait les documents pour 2018 et officiellement, sous statut, depuis 2018, nous existons ici à Lubumbashi. Bon, depuis que vous avez commencé, vous avez parlé de 4 ans déjà, est-ce que c'est une réussite? Est-ce que vous êtes en train d'aller de l'avant ou bien vous êtes en train de dégringoler? Comment est-ce que vous voyez un peu le bilan de votre travail? Ok. J'adore beaucoup les auteurs américains parce qu'ils racontent tellement beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. Mon premier souhait était d'atteindre 5 ans pour voir, disons pour calculer le niveau d'optimisme
que j'ai dans ce projet. Alors, quand nous atteindrons les 5 ans, pardon, je serai quand même un tout petit peu fier parce que ça n'a pas été facile jusque-là. Ça n'a pas été facile parce qu'on a démarré sans camion, sans rien. Mais aujourd'hui, vous avez quand même un camion. Aujourd'hui, on a quand même un camion de 10 tonnes. À l'époque, je me rappelle, je raconte une petite anecdote. À l'époque, je servais les clients une fois par semaine. Je devrais me réveiller parfois 5h30 pour aller au niveau d'express, chercher un petit compteur, négocier avec les chauffeurs, entrer avec lui sur terrain, commencer à collecter les déchets, aller jeter et ainsi de suite pendant toute la journée. Jusqu'à ce que, bon, en étant optimiste, on a grimpé petit à petit avec le nombre de clients et cela nous a permis d'avoir actuellement un camion et nous voulons en avoir 20. Voilà, nous sommes en train de donner ces messages à toutes les autorités qui sont en train de nous regarder comme ça. Là, nous commençons par le gouverneur de province parce que lui, il est ami de la jeunesse, il a confiance en la jeunesse. Ce sont des jeunes comme ça qu'il faut encadrer parce qu'ils sont en train de contribuer au développement du pays. Ils sont en train, bien sûr, de récolter tout ce qui est déchets à travers la ville de Lubumbashi. Nous donnons aussi un message à toutes les entreprises qui nous suivent comme ça. Vous savez, il y a un adage qui dit le jour où la dernière rivière sera empoisonnée et les derniers arbres seront abattus et les derniers poissons seront pêchés, c'est alors qu'on saura que l'argent ne se mange pas. Ouais. Aujourd'hui, nous avons besoin seulement d'amasser de l'argent, mais nous oublions que notre environnement doit être sain. Parce que si l'environnement est sain, c'est alors que nous allons encore avoir beaucoup d'argent. Nous allons avoir un bon endroit pour faire nos travaux. Parlons maintenant du recyclage. Ouais. Est-ce que depuis que vous avez commencé ce travail, est-ce que vous avez déjà vu la deuxième réutilisation de vos déchets? En fait, parler du recyclage ici chez nous, bon, ça existe dans quelques sociétés que j'ai vues. En fait, en soi, le recyclage, c'est une action de récupérer, d'abord, récupérer les déchets et le réintroduire ces mêmes déchets dans les processus de réutilisation. J'ai visité quelques entreprises qui font les recyclages de leurs propres bouteilles plastiques. Ici, il n'y en a pas beaucoup. Le recyclage, ici, c'est un terme qui est pris un peu vaguement. Ici, on parle beaucoup plus de traitement. Traitement, pourquoi? Parce qu'il y a réutilisation de ces déchets, mais les déchets, on peut les transformer d'une autre manière. C'est pour ça qu'on parle de traitement ici. Mais le mot recyclage, c'est un mot qui tourne toujours dans ma tête. Que parmi les grandes visions de ESRO, c'est avoir une grande usine de recyclage d'ici 2023. Donc nous nous battons sérieusement. Et surtout bonne chance. Merci. Nous nous battons sérieusement. Donc avec les déchets collectés, il y a les plastiques que nous traitons et transformons dans un produit qui est les pavés faits à base de déchets plastiques. Avec les métals, nous les récoltons, nous trions et tout ce qu'il y a comme métal, nous les mettons de côté pour que ça aille dans une société de transformation des ferrailles. Avec les papiers et cartons, il y a certains procédés que nous faisons. Donc c'est ramener ces déchets-là vers une société qui est spécialisée en traitement pour produire des briquettes. Avec tout ce qu'il y a comme appareil électroménager, j'aime bien le cuivre. Alors je récupère tout ce qu'il y a comme fil de cuivre, je mets de côté. Je me dis, bon, tant mieux si une fois la société a 10 tonnes de cuivre, qu'on peut avoir des câbles USB. D'ailleurs, je vous conseille, si vous avez des câbles USB défectueux, vous pouvez toujours les envoyer chez nous. Merci. Donc, c'est tous ces cycles-là de tri et de traitement qui entrent en jeu pour pallier à ce problème.
Merci à HK6 de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer librement. Et je suis très ému et ça me va droit au cœur que vous ayez pensé à moi. En même temps, à toutes ces personnes qui nous suivent, de prendre conscience que l'enjeu environnemental, il est là. Il faut le surmonter. Et pour le surmonter, il faut tout le monde. Ça veut dire que vous soyez, parce que ce qui est parfois bizarre que je remarque, c'est quand je suis dans un taxi-bus, je suis avec des personnes à côté de moi. Ce sont les mêmes personnes qui mangent sa banane et qui balancent sa peau de banane à travers la fenêtre. Et demain, il va insulter le gouvernement. Et demain, il va insulter le gouvernement, ouais. Il va insulter monsieur le maire qui n'a rien à voir dans tout ça. Alors, j'aimerais inviter toutes ces personnes-là, parce que vous buvez votre eau, parce que vous mangez quelque chose, c'est très simple. Prenez juste votre déchet, mettez-le dans une poubelle et les gens vont faire leur boulot. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous avez compris que nous sommes ici. Vous voyez, on est debout sous ce soleil. Le seul endroit où on peut s'asseoir, c'est sur les déchets. Ouais. Raison pour laquelle bienvenue nous sommes... à tout le monde. Raison pour laquelle nous sommes debout, c'est pour vous dire qu'il y a un travail des titans qui est en train d'être abattu ici. Toutes les entreprises qui nous suivent comme ça, vous avez vos déchets, vous voulez comme ça vous abonner, je ne sais pas moi, à cette entreprise qui est en train de récolter ces déchets. Contactez-nous, passez à HK6 Radio Télévision, nous allons vous mettre en contact avec cette grande équipe de cette entreprise. Parce que notre venez souci, nombreux, hein? Ouais, parce que notre plus grand souci, c'est avoir une ville saine, c'est un peu ça. D'ici là, portez-vous bien, nous comptons vous retrouver dans un autre numéro prochainement. Ciao. Ciao.